Stromae à la prod. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 28 de Stromae. La leçon t'a faite. Donc j'aimerais bien que ta fête en fait soit l'hymne national, non pas l'hymne national de la Belgique, mais l'hymne de des Diables Rouges à la Coupe au Brésil. Chapitre numéro 1, ça fait longtemps, tu m'as manqué, je ne te cacherai pas qu'un petit synthétiseur. Il faisait donc ceci. Chapitre numéro 3, cette espèce de... Attends. Ils viennent quand s'entraîner, les diables? Tu peux pas me déposer vite fait? J'ai réussi à trouver le lieu où se cachaient les diables. J'ai revêtu mon plus beau costume. Je pourrais enfin leur présenter mon morceau comme hymne, et puis même aller plus loin, qu'ils soient dans le clip. Je pense qu'ils ont une carte à jouer dans l'acting. Marc, Thibaut, Romelu, Vincent, etc., etc. La Coupe du Monde est à nous. Pas forcément. Hein. Vous avez toujours l'art de cette manie de foutre Vincent Compagnie en défense, mais jamais on a essayé en attaque. Tu vois, moi j'aurais peut-être échangé Romelu avec Vincent. Ma façon de vous soutenir, en fait, c'était de faire en sorte que ta fête soit un peu l'hymne des diables, quoi. Pourquoi pas aussi faire 1, 4, 5, tu vois ce que je veux dire? Pour un peu inverser, quoi. Se dire qu'on pourrait un peu... 1 en défense, 4 au milieu, 5 devant. Mais Vincent, il est fort, hein. C'est cool, en tout cas, de m'avoir... de m'écouter, quoi. Tu pourrais, tu vois, je sais pas, un peu la technique de la tortue, tu vois, à l'époque des Romains, ils faisaient ça, ils changeaient les formes. Ouais. Et puis, t'avais aussi la technique du trèfle à quatre feuilles, des techniques du losange. Ta fête. Le truc, c'est ça, en fait, la musique. Là, on part sur le plan clip. Alors, le clip. Le concept du clip, ce serait de se dire que... Que c'est une espèce de sport mélangé entre la réalité et le foot. Tout se passe dans un stade. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un terrain de foot tout à fait normal. On est dans le futur, on est dans le passé. Ça vous dérange si on fait quelques allers-retours, comme ça, je vous explique un peu. C'est les gens qui vont te faire ta fête. En gros, je joue avec le mot de ta fête. La balle, c'est un humain, en fait. Toi, tu pourrais par exemple faire le rôle du mec qui fait la balle, tu vois. Comment ça? La balle. Ouais, la balle. En gros, c'est un énorme labyrinthe. Évidemment, comme t'es le capitaine, si tu veux, tu peux choisir le rôle principal, tu vois. Enfin, évidemment qu'on peut s'arranger entre nous. J'ai vu que De Bruyne était pas mal intéressé aussi pour le rôle principal. Enfin, monsieur De Bruyne, excusez-moi. J'en ai parlé aussi à Witzel pour tout ce qui était le rôle du banquier. En fait, t'es derrière ton bureau, normal, tout va bien. T'es là comme ça, tu bosses, t'attends, et en fait, Fellaini rentre juste devant toi comme ça. Moi, je me disais, la mère, ça pourrait être Romelu, en fait. C'est ça que je me disais. Romelu débarque. C'est... En fait, il joue la maman. Elle a une serpillière en main. Il fait un... Et il essaye de barrer la route à qui il y a De Bruyne. Tout autour, comme ça. Et là, tu continues à courir. Et toi, tu le suis. Ça, c'est la chute. Attention, parce que la chute, elle est vraiment violente. Attends. Le mec court, il sort du stade. Le labyrinthe recommence. En fait, le monde entier, c'est une espèce de gros labyrinthe, comme ça. Mais ça, personne ne le sait, il n'y a que lui qui le sait. Ça peut vraiment faire un super clip. Ok. Bon, et si on laisse tomber le délire, le concept du labyrinthe et qu'on fait vite fait, en 5 minutes dans le bus, un truc avec deux caméras... Ouais, une photo sur Twitter. Mais bon, toi, Twitter, toi, tout le monde fait ça, quoi. Tu vois, c'est genre... Enfin, tu vois, je voulais juste
un peu plus quand même, quoi, tu vois, parce que... Merci. Donc dans le bus, alors on peut faire ça vite fait. Je suis rendu deuxième. Action! Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi ta fête. Reçu, je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Merci à vous d'avoir suivi la leçon numéro 28 et rendez-vous à la prochaine leçon. Tu ne vois pas dans le rôle... T'attirais bien, franchement, c'est un délire de ouf.